Welcome to SFB News people. <laughs> like, share. <laughs> I'm on the street, baby. <laughs> Welcome back to SFB News guys. Uh, LJ, Frank, Mizogod, always there, always there. We just want a shout out à nous trois. Oui, pas chaleur de trois. Parce, euh, parce que hier, j'étais à une soirée. Puis on m'a demandé euh, 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 le nom du podcast sur Google. Et quelqu'un a écrit SFB News. Et on a apparu en premier. Let's go. Oh ouais? Yeah, that means qu'il y a beaucoup de gens qui nous recherchent. And this is a good sign. So, <laughs> that's good. That's good. Yeah, good stuff, good stuff, good stuff, guys. Good stuff. I love it. Aujourd'hui, notre, notre short, short and quick episode uh, sur uh, NBA, NFL, soccer. Ça va être vite, mais ça va être nice. So, euh, encore une fois, merci de nous écouter. On commence. By the way, mm. my bad si je, je suis excité un petit peu, ça se peut. Là, pendant cette game-là, on est en train d'écouter Napoli-Milan en même temps. So, yeah. sorry s'il euh, y a des émotions qui, qui emportent. Mais attends, c'est deux, deux teams là, qui jouent là présentement? Ben, là. ma team-Milan contre... Contre les bientôt Champions League... Champions. Winners. Ouais, winners. Napoli's. Yeah. Ah, non, moi <laughs> All right, euh, NFL. Premier sujet, euh, Panthers. veulent aller, et aller prendre le QB Richardson des Gators, qui est, euh, selon moi, un deuxième Cam Newton. Il, je pense qu'il mesure 6 pieds 3, 2,40 livres. Six, trois, je pense six, 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 bon. ah, six, Il six, il, ouais. il est big. Il est big, il fait un bon 4D, bon vert, athlétique, un bras sans effort, il lance comme 70 verges. Incroyable. Un deuxième Cam Newton dans son prime. Est-ce que c'est une bonne idée de reprendre un Cam Newton pour les Panthers avec ce qu'ils ont Tu veux lire en premier, Niki ah Bon, je n'ai pas vraiment d'opinion sur, euh, sur Richardson. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est une mauvaise idée parce que le problème avec comme quand as un joueur de, comme de ce type-là, c'est est-ce qu'il est capable de, genre, comme takeur de son corps, comme juste pas ouais. courir puis prendre des blés. Comme s'il joue comme Cam Newton puis il essaie de truck les gars, sauter par-dessus les gars. C'est une mauvaise idée parce que tu sais très bien qu'ils savent déjà comment ça va aller. Il va être bon pendant un temps, puis après 5 ans, 6 ans, c'est dead. Mais s'il vient jouer puis il joue comme le right way, sans prendre trop des coupes pour rien, ben s'il est bon, c'est bon. C'est pas quelque chose que tu peux avoir facilement en QB comme ça. Mobile, bâti, qui. Tu regardes. es Josh Allen, ce gars qui est athlétique, qui est fucking grand. Mais tu es lui quand il fait ses plays. Il lance le, le gars est en train de courir à droite, puis il lance une bombe comme ça aux efforts. Si tu es capable d'avoir ça dans Richardson, c'est bon. Puis tu regardes, ouais. c'est sûr qu'il doit être capable de prendre de, à la Jalen Hurts là, des QB Sneaks. C'est sûr yeah, Il, facilement. il, il fait checker plein de touchdowns comme ça. Mais je ne peux pas dire que c'est une mauvaise idée. Je n'ai pas trop regardé si euh, Richardson était vraiment un bon prospect. Mais ouais. la façon dont les gens en parlent, c'est comme si c'était vraiment un gars, c'est vraiment talent. Il y a le physique, ouais. c'est toutes des affaires comme. Sur le fil, déjà gens ne pas dire que, que c'est le meilleur QB. Ouais. C'est juste... C'est un potentiel. C'est vraiment ouais. du potentiel. Moi, pour les, si je suis les je j'irais avec un joueur plus safe. Là. Moi aussi. Euh... Pour moi, j'irais avec Bryce Young. Euh, le, le QB des Alors, le, plus petit. Les peinteuses, je dois avoir euh, combien d'hommes? c'est c'est son premier. Son first? Son first. C'est vraiment un choix difficile. Parce que je, je trouve que j'ai pas entendu parler de lui j'ai pas quand je vois c'est bah, un gros combine il y a eu un très gros combine mais quand je regarde j'ai vu son highlight c'était pas wow wow Bryson je trouve qu'il était plus wow surtout c'est un, un scrapper un vraiment un gars qui va tout faire pour, pour euh, aller trouver son QB son, son, ses receveurs et je trouvais que oh, ben, je trouve aux Panthers ils ont pas de receveur. Ils, ils ont pas de receveur. donc il faut un gars qui puisse créer un play puis Prendre un ressort wide open, puis bien s'assurer qu'il va, qu va, qu va connecter. Puis si c'est comme un Cam Newton, Cam Newton n'a jamais été un gros gars qui connectait. Un gars qui, comme tu dis, il courait ouais, à travers les ouais. gens, saut par-dessus. Puis quand le gars était libre, là, il connectait. Tu vois, ça Puis Richardson, c'est pas, pas ça. Ouais, c'est comme, comme à dire ouais. Bryce Young, lui, c'est exactement le contraire. C'est ce gars qui a joué dans des big games, tu l'as mm -hmm. vu, il, il s'est lancé, mais. Les gens sont comme il est petit, il est petit, je sais. Euh, les gens sont comme est-ce qu'il va pouvoir, euh, je pense pas qu'il est aussi vite que Kyler Murray genre so, c'est pas un speedster. No. So. Tu sais Kyler Murray quand tu le vois, il essaie de sortir de la pochette pour lancer ses ballons puis d'avoir ouais. de même. Euh, est-ce qu'il, comme tu sais, que Richardson il va être capable de genre prendre les coups ou réussir ouais. à, il y a des choses que le, le coach Richardson va le permettre de sauver que pas sûr que ça pourra pas. Genre. Ouais. So, moi pour de vrai je pas, je pas vraiment chaud sur aucun des QB dans, dans le draft What's... cette année. Ah oh, ouais. Non, il je... n'y a pas de cubic, je suis comme moi. Ouais, non, je devrais me battre. Pour le reste, les Pentous ont trade euh, avec, je pense, les Bears. Les Bears, On ouais. avoir les pics. Ils sont, sont faits, fait... ils sont Finesse, fait de Finesse, Ils wow. euh, ont tout perdu. Ouais. <laughs> pour okay. moi, il n'y a encore des cubic, je suis ouais. vraiment chaud, là. Comme... On, on va avoir, là. Comme... Il n'y a pas de Joe Burrow, il n'y a, de... a pas de Patrick Mahom, il n'y a pas non, de... Il n'y a pas quelqu'un comme, on va dire, Trevor Lawrence, là. So... Nah. On still talking about the des Panthers? Non, let's, on a fini. Let's be serious. <laughs> on a fini, on a fini. On a fini, ok. Chargers. <laughs> on va like les Chargers. Uh, Justin Herbert est en train de négocier son contrat. Uh, je voulais savoir votre, quel montant vous pensez qu'il va recevoir après ces deux dernières saisons. Puis les rumeurs, les rumeurs disent 50 millions. Moi, je dis qu'il ne mérite pas 50 millions. Pas comme ça, que ça What? marche. C'est vraiment pas comme ça que ça marche. Oh, la NFL, yo, I'm sorry. You've been, la... choking. I... I'm not the... been choking. You're about to yo, choke. I don't care. Daniel, Daniel Jones, je suis mieux payé que le dernier qui s'est fait payer. <laughs> That's it. C est... C est... Puis Daniel Jones vient de se faire payer 42 millions. Puis Et... Daniel Jones est vraiment moins bon yo. que Justin Herbert. Tant oui. que Lamar n'a pas été payé pour moi, tout le reste devrait attendre. Comment tu me dis que un va recevoir un plus gros ca... montant no, que si Lamar le... Premièrement, Herbert va avoir un, un plus gros non, montant normal, que Daniel non. Jones. 43. 42.9. Non, non, non. 42.9. Non, non, mais non, non. si, si euh, sure. Herbert paye, on va dire Herbert reçoit 50 millions, ouais. okay, avant Lamar, ça aide juste Lamar. Lamar peut juste avoir ben oui, plus de copes. Oui, il peut avoir plus. <laughs> il peut juste avoir plus. Si, si, si <rire> Justin <rire> Herbert a 50, <laughs> euh, Lamar peut demander 55. <laughs> ouais c'est exactement ça. C'est comme, euh, les Ravens, ils n'auraient pas à attendre que Herbert a 50. Non. Mais la seule chose, c'est que, <laughs> Les Herbert, peut-être que lui, il sait pas d'avoir fully guaranteed ou il sait pas d'avoir un, un nombre beaucoup de guaranteed money. Sais. Peut, ouais. Mais c'est juste ça la différence. Mais euh, 50 millions, quoi, euh, je pense, Russell Wilson est à genre 47. Mm -hmm. euh, Rodgers, je pense, il est dans les 50 mm -hmm. ou, ou proche de 50. So, c'est pas, pas, pas fucked up qu'il y ait qu ça. Là. Euh, même Jalen Hurts aussi, on va aller checker son contrat. Ils vont essayer de lui donner quelque chose du genre. Ouais, mais je me mérite. Il était au Super Bowl. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Je <laughs> tu... suis QB, je suis franchise QB. C'est le temps de me de payer. Ouais. Tu dois payer mieux que les derniers qui sont payés. Puis j'ai des meilleurs stats, lui, c'est juste ça. C'est même pas logique. Sinon, euh, Daniel Jones devrait avoir que shit. Là. Il devrait rien avoir. Oh, Daniel Jones mais... devrait, aurait dû avoir max ouais. genre 30 ou 35. Oui, Il devrait avoir ben, à la Dino Smith. Oui, exactement. Mais les Giants ont, ont, ont fait zéro. Puis Daniel les a finesse. C'est juste ça. Parce qu'à la fin non. de la journée. Les gars, ont pris pression. Les gants ont pris pression. Euh, Ils ne pas te prendre sous pression. Il ne voulait pas non. recommencer à zéro avec un autre Gubier. Moi, j'aurais laissé bouge. Ben oui. a millions pour lui. Il n'a a garain. rien fait ça, de spécial. Il y a 6 TD par année. Mm. I'm sorry. Tout, tout ce qu'il y a eu, c'est une bonne, une bonne game de playoff qui était remarquable. Non, mais Justin Ebert n'a pas eu genre 38 ou 40 TD Pass cette année. Genre, pas si mal. Mais, mais, mais c'est comme ça parce que regarde, même avec l'année passée, Tyreek Hill il est parti avec Miami. Ouais. Parce que Devin Adams a eu un certain cup. Ouais. Lui, il voulait quelque chose de la même chose ou un peu plus. Exact. Donc, so, les chiffres étaient comme non, on ne peut pas payer tout ça. Ils ont tué. Et ouais. là, il a été payé par Miami. C'est juste, c'est même pas, pas comme logique là. C'est comme, même si t'es le meilleur gars. Mm -hmm. Puis tu fais genre, Réseau, tu fais 40 millions. Tu es le meilleur là. Comme, réseau Patrick Mahomes, c'est le meilleur exemple. Patrick Mahomes peut être 41 42 millions par ouais. année. Tu le meilleur. Sur so, le logement, tu te dirais, ben, vu que tu pas le meilleur, tu peux pas faire plus de copes que le meilleur. C'est bah, pas comme ça, ça marche dans la NFL. N'importe quel Pino qui a une bonne saison, leur son Contract Year, no, peut okay, faire le cop. Okay. C'est tout, bro. <laughs> Right. Ouais, c'est ça que Justin Ebert ouais. mérite un contrat aussi. Là. Il mérite. Non, un ouais, contrat pour... oui, oui, mais 50 millions. Que... Il put up les stats pour être. Il est, il est ouais. genre top 5 QB. Non, c'est French QB. Mais pour, la, pour, ouais. les, pour les Richards. Les... Plus... Ouais. Mais 50 millions ah, C'est ouais. ça le prix man. Ça le prix du QB. Exact. Man. Puis ça bien. va juste aller en montant. Parce okay. que, comme Nick a dit, si Ebert a 50, Lamar devrait avoir 55. Parfait. Puis après, Pat devrait avoir 60. Ouais, mais pas nah, dire, non, lui il est off, est il a pris un contrat de 10 ans. Non, je dis juste que <laughs> c'est comme ça que ça va. Après ça, ça va être Jalen Hurts. Ouais. Jalen ai va dire, moi aussi je veux ça. C'est vrai. Puis après ça, ça va être Joe Burrow. Ça va continuer à ouais. augmenter, ça va être ça. Ok. Uh, next, Commanders. Commanders est à vendre. Euh, Magic Johnson est, est, est sur la table de négociation pour acheter les Commanders. C'était un low share, c'était un petit share qu'il voulait? Ou un petit share peu, Non, ça, peu... la, la femme vaut 6 billions. So, Donc, on ne <laughs> va pas exagérer, mais ils voulaient un petit share. Mais Il ma question c'est... Ils n'allaient pas laisser un rouge noir, anyways. Of course <laughs> Est-ce que ça va être profitable, même s'ils si n'ont pas de QB Sincèrement, les QB, c'est Jacoby Br Br Brissett, Sam Howell et Jake Fran. Là, tu parles de, de l'argent de Magic Johnson investi, si non, ça va être de, profitable. Si, les si ça vaut la peine. Des gens qui achètent. Achètent pour comme un Ah, ben oui, ben oui, ben oui, 100%. Ça... T'as pas de QB, Joe. Ça n'a aucun, aucun rapport avec Next ton QB. Next year, mon cher. Ça n'a aucun rapport avec ton QB. Next year. Tu rends la team bonne, puis tu, 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 tu le coûtes un petit Vous n'avez jamais entendu des équipes qui ont, qui ont, qui ont non, eu des mauvaises années. Non, tu ne comprends pas comment le marketing de ces équipes-là marche. Ça n'a aucun rapport avec ton QB. À chaque année, la NFL, la NBA... Le, la MLB, la MLS, n'importe quelle ligue, ça fait, juste, ça fait juste augmenter. <laughs> Coyote. La, non, oublie, Arizona. Oublie les Coyotes. <laughs> OK, mais check, check Inter Miami. Beckham les a achetés pour genre 28 ou 27 ouais. millions. Il, va, il vaut maintenant 500 millions. Viens me dire, viens me dire que t'as pas fait du profit. C'est vrai. Mais la ça même a pris chose. Du temps. Ben oui, ça va être la même chose pour les Commanders. Je te dis pas que l'année prochaine ils vont valoir 8 billions, mm -hmm. mais. Dans peut-être 10 ans, ils vont valoir 8 millions. T'as juste à créer une team, là. tu fais une bonne team, puis tout mm -hmm. d'un coup, tu apprends de la valeur. Tu... Bon, si tu peux changer les couleurs de... <laughs> des, des, des Cominters et améliorer un peu leur swag. C'est vraiment euh... rare que tu perds de l'argent quand tu investis dans une équipe sportive. Ouais, ouais. C'est vraiment rare. Moi, j'ai peur. Juste peur parce que Cominters, pour moi, ils ont été irrelevant pour so long. Mais pas. Il y a comme deux ans, là, ils étaient. comme... C'était pas si bon que ça. Là. Non, mais ils ont fait les playoffs ou... Où... quand ils ont perdu, quand les Bucks ont ah, oui. gagné la finale. Oui, là. oui. Je rappelle. Euh, ils avaient, avec le, le defensive end, il ouais, y, ouais. y avait un espoir. C'est juste que l'offense, il manque quelque chose. Euh, ils n'ont pas de QB. Ils, sont, de ils avaient quand même des, quelques receivers. Mm -hmm. Le running back n'est pas vraiment là. Leur line est pas pire, était pas pire en tout cas. Mais c'est vraiment qu'ils n'ont jamais réussi à mettre un QB en, en place. Mais il n'y a aucune équipe de la NFL qui n'est pas profitable. Ouais. Aucune. Yo, tu, mets, tu, mets, tu mets un QB, puis tout d'un coup, ta franchise est rendue booming. Là. Est juste ça, tu as besoin. Tu as juste besoin d'avoir un QB qui garde dessus à That's it. Parfait. 49ers, mm. ils ont dit qu'ils veulent start Mr. Relevant Brock Purdy, over Lance. Bon choix mauvais choix? Je ne veux pas dire mauvais choix. Okay. Parce que Brock Purdy t'a prouvé qu'il était capable de gagner des games. Oh, ton boy, s'il te plaît. <laughs> mais. Oh, ton boy, s'il te plaît. Mal... T'as prouvé. Il t'a pas prouvé qu'il pouvait gagner des games. Debo t'a prouvé <laughs> qu'il pouvait oh, gagner des games. Vous plaît. Mais Café oh. t'a prouvé qu'il pouvait gagner des, Les, des games. Les gars sont encore dans la team. <laughs> yeah, exact. Et t'as encore Brock Pretty. Moi, Mais je te dis, Lance, c'est pas la même. On peut faire la même chose. Trillands était avec... blessé exact. pour longtemps. Je comprends. Brock Pretty a repris son spot. Maintenant, Trillands doit se battre pour avoir son spot. Pour de vrai, moi, je pense, mm. moi aussi, je prendrais Brock Pretty parce que. Trillands, Ce qui amène dans la team, c'est. Comment dire c'est Dans ses qualités physiques. <laughs> ouais. Mais euh, je l'ai pas. Le peu que je l'ai vu. Je sais pas comme s'il était super accurate. Non. Euh, puis justement, on l'a pas vu beaucoup. Puis quelquefois, on l'a vu sur le terrain, il s'est blessé à chaque fois. Yeah. Ça veut dire que déjà, il y a un issue de rester sur le field. Puis Purdy a déjà plus un track record que On a as déjà plus vu de lui que Traylance. <laughs> C'est okay. triste. En trois ans. <laughs> puis tr <laughs> Purdy, tu sais qu'il est capable de faire le, le, le minimum. Mm -hmm. euh, puis avec les weapons qu'il a, il est capable de les utiliser comme, de façon quand même comme c'était bon là. Wow, si ça améliore comparé à cette année, c'est déjà que c'est un boom. Et le n'a pas joué avec McCaffrey encore. Ouais, non. Le avait Dibou puis tout, puis j'ai trouvé pas plus accurate que ça. je pense qu'on devrait dans une équipe avec tu as juste besoin de QB qui est capable de take care of the ball puis. Il a lancé comme C'est ça, Parce que c'est déjà que les gars être libres. Ouais, les gars c'est run after the run after the catch all the time. So non, c'est probablement la meilleure option. The best choice. Toi aussi. Je t'ai déjà dit, moi c'est Mr Levint all the way. Ouais, il Levint maintenant, par exemple. Mais si Story, ça va être son nickname pour le reste de la life. Il Levint moi je suis encore douteux, je ne crois pas encore à, à, à Brock Purdy parce que les Eagles l'ont massacré. On a dit, Monsieur King. your c'est pas, c'est pas, pas pour dire, c'est pas dit. pour dire que genre c'est Cash et le franchise QB peut-être qu'ils vont devoir draft un QB. Ils pas choix l'année prochaine. But, si je vais prendre lui et Trillance, mm -hmm. dans ma tête, Trillance, il n'y a rien montré, il y a un derrière. Yet, là, ça. So... Mais c'est euh... un espoir. C'est un très gros cubain. Mais maintenant, c'est Brock Purdy, ton espoir. Ok, on verra. Et on lui... Il y a eu sa mm -hmm. chance, bro. Comme... Avant, même avant... Mais même avant qu'il se blesse, c'était pas waouh, là. C'était. No, Ton premier year en tant que cubain à la NFL, il ne savait pas. Non, c'est sa but... deuxième année. Sa, sa première année, il <laughs> a joué un de bench. On l'a donné quelques plays pour qu'il fasse des, des petits plays bizarres. Il s'est blessé, bro. So, <laughs> arrête. Hein. Okay. C'est bon. C'est tout pour la NFL aujourd'hui. Mm. Mm. NBA. Attends, fucking à Rogers puis la mort. Mais... Oh, arrête. Non, mais Rogers... Nah. Rogers... Yo, On a dit Rogers c'est mafioso Non, yo, je sais, ou... je sais. Mais c'est ce gars... si on veut des nouvelles dans la NFL, c'est ces deux galas. Sinon, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre dans la NFL. Sinon, on rire, attend le draft. Ouais. Puis après ça, c'est euh, le plus -season, season qui est bien loin. Là. Ouais. NBA. Un petit shout-out à Greg Popovich. T'as dit Tony Parker. Tony Parker, Dwayne, Dwayne Wade, Wade, Dirk Nowitzki. Euh... Ça me surprend que ça a pris autant de temps que ça pour Dirk. Ben, un peu disrespectful. C non, ben, c'est sa première année des Liby Ah, oui? Yeah? Ouais, ouais. Okay. Il y a un nombre de temps que tu dois attendre. Euh... Mais Dwayne Wade. Ils sont, sont en retire la même année. So... Ah, ok. Ah, ah, hein? pensais que... ouais. Je pensais que deux qui avaient ouais, retire un ou deux ans avant. Non, non, ils même aussi. année, même année, ils ont retire. Ah, mmh, ok. Mais sense. Parce qu'il y a joué... Luca, c'est vrai. Mmh. Makes sense. Yeah, ouais, yeah, yeah. non, il y a avec Luca, ah. ouais. So, ouais, uh, tout all of all Famer, congrats. Ouais. grâce ça veut dire que Steve Kerr, pour moi, va être le prochain. Il continue comme ça. en tant mais pour vous, j'ai coaché beaucoup. Ouais, beaucoup d'années. Je veux dire ouais. que s'il continue sur cette trajectoire là, ça dépend de combien de temps Steve Kerr coach. il peut coacher un autre 15 20 ans là s'il veut. Ouais, ouais, ouais. ouais. Éventuellement, probablement, il pasné à quoi Catwing. Ouais, Catwing. il est déjà il, il est déjà entitled est, to, est, uh, ouais. exactement. Il est déjà un Hall of Fame spot. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ça. Ouais, So, congrats to them. Uh, autre question, KD, KD est revenu de sa blessure et les gars, le chemistry is on track. Les gars sont en train de bloire, bloire. Ben, ils battent les équipes. Les, gars sont au goal, quand les Nuggets sans Jokic hier ou avant-hier. C'est pas grave. Jokic s'entend, t'entends, Il y a des bonnes games on, des games off. Puis même que, je suis sûr que Jokic t'étais pas là. Oh bro, c'est pas un problème. Le mais je suis là. Les gars jouent bien. Les gars gagnent. Si les gars gagnent, les gars sont pas en train de se s'emporer un winning streak. Les gars gagnent pas, bro. même pas double digits. C'est comme 7 points, bro. Les gars sont supposés. Mais c'est ma... ma question. Est-ce que c'est une équipe qu'il faut, Il faut craindre dans les playoffs ou non? Les Suns, ben oui. I'm sorry, mais le, le trio est juste parfait. Tu as deux scorers puis deux ultimate passer dans ton équipe. Mais tu n'as pas, pas de center. Mm -hmm. uh, uh, KD est censé pouvoir prendre des rebounds. I don't care. I don't Et care. Le, le 7 pieds 1, là. I don't care. Lanky, Lanky Snake, prend des rebounds. Je vais, aller avec le, je vais devoir aller avec ce que Mizogod a Yo, dit. Moi... Si Joker avait été dans le paint cette game-là, pour te t'as tu as yeah. raison. Je ah, dirais, les gars, mais... ils, ils ont une chance parce qu'ils ont du talent. Ils peuvent aller loin. Mais mm -hmm. moi, cette saison, je ne pense pas parce que. <laughs> La, ils, ont, ils viennent d'assembler la team. Ils, mm -hmm. ont, ils, ont dû prendre, ils ont dû faire comme un genre pour arranger leur bench avec qui ce qu'ils trouvaient. Qui mm -hmm. a dit à manquer quand même des games. Puis, comme il peut encore se re-blesser durant les playoffs. Euh, parce que là, cette saison, ça me fait penser à sa, à sa saison. Il s'est blessé avec les Warriors. Chaque fois qu'il revient d'un jury, il prend quelque chose d'autre. Euh, puis, la team n'est pas comme. Défensivement, elle n'a pas la wow. Puis, à la fin de la en playoffs. Si les gars sont massacres sur les rebonds là, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Quand ils ont perdu contre Giannis, Etan ne voulait pas prendre les fucking rebonds. Puis Etan, quand KD est là, c'est même plus une option offensivement. Puis quand il y a pas le ballon, on lui donne pas des ballons pour qu'il fasse des points. Off. Il est pas engaged dans la game ouais, tout court. Off, off, so, off. pour moi les, les, les Suns, je pense qu'ils peuvent se rendre genre en... ils vont gagner une série ou deux, mais je ne peux pas bête sur eux pour dire que oh, ils vont aller en finale puis même gagner la finale. Pour c'est wide open pour n'importe qui, je pense. Mais je pense, dans ma tête, je pense vraiment pas à les Suns auront. Dans l'Ouest, c'est wide open, mais je vois pas pourquoi euh, KD, Devin Booker et Chris Paul peuvent pas se rendre en finale et win the whole thing quand les deux peuvent faire 50 every single game, les I, deux en même temps. I agree. I agree que durant les playoffs, Booker est extrêmement clutch et KD est extrêmement clutch. So, je crois sincèrement que les Suns vont se rendre. En finale de leur division. Mais les gars, ça arrive s'ils jouent contre une team 4 de gars qui peut scorer aussi. <laughs> Enlève Etune, remplace-le par un Legit Center, pis t'es correct. Okay. Pis t'es good. Ok, c'est où, où tu trouves le Legit Center maintenant Ils dans la Il est sur leur ligue. bench, je sais pas, il est où, mais. Attends, attends, mais on va, on va, on va l'amener. avec. gars, Biombo, Biombo, Lundell. Biombo, Biombo fait la job. Tu joues. Biombo fait la job. <laughs> tu joues. Pas tu joues. La, Paul, Booker, Katie. Puis okay. deux power forward ou un power forward, yeah, un center. Chris, okay. Paul, Chris Paul devrait en manage ses minutes à 30 minutes. Je ne sais pas s'il si est capable de faire 16 points dans une game. Si il n'a pas fait, besoin de marquer. En ben, playoff, oui, il va avoir besoin de marquer. C'est comme... comme si tu le checkes 20 points, la game d'après, il en check 8. C'est euh... pas les Warriors qui vont donner trop de problèmes. Non, il n'y a aucune oh. équipe que tu peux trust. C'est pas Clippers qui vont donner trop de problèmes. Hein? Kings à cause de Sabonis et de joueurs. Sabonis et. Ils ont une team. Ils ont pas de défense. De... Sabonis, c'est pas un boy un, un, comme prend beaucoup de rebonds. Il prend beaucoup de rebonds, mais c'est pas parce qu'il est défensif. Ah, ne joue ouais, sont... pas en défense. Euh, il fallait juste Quis ramasser les... tous les ballons qui tombent. Les, les ballons qui rentrent pas sûr sauts, c'est lui qui le prend, mais c'est pas parce qu'il bloque personne. En vrai, <laughs> ce serait. Euh, comme... Les gars sont en play-in, c'est le plus danger pour les Suns. Lakers, Pelicans La... et Timberwolves. Oubliez les Lakers, s'il vous plaît. J. On t'a prouvé que Davis est en train de jouer en ce moment et il est en train de ball out. Je veux dire que tu as raison. Tu as raison. Mais présentement, dans le playoff run, si, mettons, les queues, il ne faut pas les play playoffs. Ils n'ont plus Timberwolves, les Suns seront en finale. Bon, là, le je ne le vois pas pour les Suns. Il est un non-believer. Écoute, je, je, je suis un non-believer cette année. Comme j'ai l'impression, il falloir qu'ils aient un off-season pour bien arranger la team. Mm -hmm. Puis, next year, c'est le team to beat. Mais cette année, je ne je le vois pas. Yeah. En parlant des Kings, euh, ils n'ont pas fait les playoffs depuis 2006. Là, tu me dis qu'ils n'ont pas de defense. Est-ce que tu penses qu'ils vont se rendre loin en playoffs ou qu'ils les éliminés au first round Moi, je pense qu'ils font, font le second round. Je sais round. pas ils jouent. First round à date. Là, à ils, date sont 3e. ils sont troisième. Ils sont troisième. Ils jouent contre les Clippers. Ils jouent contre le quoi sixième. Euh, yeah. Sixième. Soit ils vont jouer contre Golden State, soit ils vont jouer contre les Clippers, dépendamment de l'affiche pour ouais. les prochains games. S'ils jouent contre les Clippers, je ne vois pas de difficulté à les battre. Moi, je pense que les Clippers débat. Les ouais? Kawhi. Kawhi, Kawhi Plaf. Paul uh, George. Ouais, ouais, ouais. Les Kings, c'est comme <laughs> une belle story. Mais. Les gars, ils font juste comme. Ils scorent, ils scorent, ils scorent. Mais en playoff, il faut que tu saches défendre. Puis oui, ils ne savent vrai. pas défendre. Puis, je um, pense que la pire team qu'ils pourraient voir, c'est les Clippers. Parce que pendant les Cl quand les Clippers venaient d'avoir um, Westbrook, les Clippers ont joué deux games contre euh, les Kings puis les Kings à un moment donné ils ont perdu les Clippers ont perdu un en genre tu ou double overtime yeah. puis une autre game ils, comme, ils se sont fait péter par les Kings donc so, euh, dans dans les c'est la de dernière team que les, les, les Kings devraient voir c'est les Clippers donc, ont puis contre les Warriors une chance parce que c'est une, une, une chance game mais c'est top game. aussi parce que eux ils ont vraiment trop habitué de jouer en playoff genre c vrai. comme c'est un young team like, aucune de ces gars là sont, à part Harrison Barnes dans la team il y a personne qui avait les playoffs, Je pense. Vrai. Fox non. Peut-être ouais. peut-être s'abonner son 200 de avec PCS, il y a Pesso, joué un peu play à mon avis, il faisait les playoffs les petits. C'est vrai, absolument pour mes tours tout le temps. Ouais ouais. Tu as raison. Mais il y a raison. aucun gars qui est comme qui a une expérience d'aller loin là. C'est so... vrai. C'est vrai. Normal je 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 boudais je... pas aux, euh, au Kings. Je pense n'importe quelle team. Toutes les teams Bouddha le veulent être sixième pour jouer contre les Kings. <laughs> pour dire... pas like <laughs> d'expérience. <les laughs> <les laughs> je veux dire ça oui, yeah. Si c'est les Golden State, je pense pas que les Kings passent. Mais si c'est les, les Clippers, Clippers Kawhi, moi je pense pas qu'ils. Non, logiquement, avec ah, ce que tu veux me dire, les, les. Paul George est encore blessé Ou Paul George est. Ah, il est au Vax sur Paul George, man. Out. Si Paul George est out pour les. Les, les, les... les Clippers. Non, peut-être moi je serais un Kawhi Believer. Kawhi oh. a gagné la série à lui tout seul. Mais ben oui. Euh... Bah, il va défendre le ouais. meilleur joueur puis ouais. va rentrer ses parce points. que les Kings, là, oui, ils sont bons et tout, mais ils n'ont pas un quand une crunch time, ils n'ont pas un go-to guy là vraiment. Mm -hmm. là. Hey oh, il y a Miss Waouh! Oh, oh, oh. Waouh! Wow. Oh. Ça, ça, ça aurait été, été 3-0. 3-0, oh, wow, okay, je l'avais vu, hein, moi. mais Sabonis, c'est euh, ouais. sa un, un big man qui, qui aime faire des, des passes et tout. Il prend beaucoup ouais. de rebonds, T'sais, il average comme environ 17-18. 22 points. Fox, il fait ses affaires, il fait, il fait comme 25 points. Mais c'est mm -hmm. une team, comme c'est tout le monde qui score dans le monde cette tout Ouais, est équilibré. Dans mais je veux dire, en playoff, il... 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 il y a personne qui dit. En playoff, ils vont bloquer tes affaires. Là. Il y a des affaires ouais. qui vont t'enlever. enlever ouais. puis, il faut que tu ailles le gars qui est capable de faire la top shot. Ouais. Les 40 ont... puis les 45. Ouais, quoi. ils n'ont pas ça. Comme, oh, euh... au, moins les... au moins les Suns, eux, ils ont ça. Ils en ont deux. Ils ont même euh, Chris Paul, comme de temps en temps, il peut... Il, peut encore le... il peut encore sortir ça de son bag. Mm -hmm. Les Kings, ils ont rien dit. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont juste des gars qui font des stats dans le système. Ils n'ont pas des gars qui vont venir prendre les. Comme toi, quand tu as besoin de gars qui demande la balle comme cinq fois de suite, puis qui shot genre 4 en 5, mm -hmm. sur les cinq fois qu'il a demandé le ballon, ils n'ont pas ça. Je ne pense pas les Kings. Okay. Cool. Moi aussi, je pense que ça va être les le premier round. Euh, Kerry Irvin, le trade à Dallas. Flop ou non Big flop. Oh. Big flop. Big flop, guys. Je suis désolé. l'équipe a été en, en pente descendante. Luca a dit qu'il aime plus ça jouer au basket. Les, les gars sont, ils scorent 30 points et perdent quand même parce qu'ils défendent pas. This was the biggest flop ever. Je pas même que les Nets sont de come up. <laughs> Mais, euh, les Nets sont les bluffs quand même. <laughs> Exactement et non les, et non Dallas. Puis <laughs> tout le monde qui a vu ça disait le contraire avant parce que tout le monde était chaud pour dire qu'arrive oui, bah, et Luca ensemble, ça va être unstoppable. Non. Well look at that. pas que j'ai dit? Je suis le dream. Non, non, tout l'a dit. Le <laughs> monde dans les médias, est en train de ouais, dire ou ouais. euh, Moi, je believe. Parce que les gens, les gens, ils voient juste deux talents ensemble, puis ils ouais. sont comme, waouh. Mais deux gros talents. Pas deux talents. Deux gros talents qu'à eux seuls, ont fait des grandes choses. Non, mais les gens oublient que des fois, il faut que ça fitte. C'est vrai. Comme, tu as deux talents, mais les deux talents ont besoin du ballon dans, la, dans leur mais Il y a un ballon, bro. Mais je peux pas <laughs> dire que ça fit » pas, parce que, comme hier, tu l'as vu, les gars, ont on pull up 40, 30, puis 27 avec Timothée Way comme offensivement, ça fit. C'est juste les role players qui sont là-dedans. Comme, comme Niki a dit avec les Suns, mm -hmm. le center faisait pas sa job. Je pense que le center a eu genre 7 rebounds, 2 points. Mais euh, les gars, sont jamais, ils ont jamais eu de center, justement. Ils avaient des, des gars qui étaient un peu plus défensifs, comme ils avaient donné fini Smith. Ils ont donné ces gars-là. Ils <laughs> ont donné ces gars-là. Tu vois, comme... Dallas aurait pas fait trade, ils auraient fait les playoffs. Parce que, au moins, tu est habitué de jouer à, avec ses garbage players. <laughs> il est habitué. Okay? Mais là, les plus qui, comme les gars les plus clés dans cette vieille team, tu les as donnés. Donné. donné fou, parce que tu voulais un rental. Une... Tu voulais un rental. Tu voulais prendre un Lamborghini pour le rental. Là, la Lamborghini as lâché. Mon yeah. cher. Là, lâché, tu dis. Yo, yeah. sur là. Carrie est gone, là après la, la saison. Là. Il <laughs> où pas. Qu il va aller, la là. question, c'est où il va. <laughs> où est-ce qu'il va, bon. va C'est tout sauf Dallas. Il où va pas rester à Dallas. Okay. Là, comme, les, je vois même pas les gars à faire le play-in. Puis disons ans, ils font play-in. Ils se font éliminer. Puis disons ans, ils sont dans les play-off. Puis c'est là vraiment. Ils comme, se font éliminer. Ils se font éliminer. Ils ils sont éliminer. pas éliminer. Il n'y a aucune. Yo, hier, c'est comme t'as dit, Hardaway, est venu un gars off du bench. Off the bench. Là. Il nous donnait 30, 30 points. T'as est ou... by the way. là. Il, <laughs> il est <laughs> il n'est pas off the bench. need <laughs> him, <laughs> We need him. <laughs> We, need <laughs> We need him. Malgré mal ça, il y a des games, des fois, t'as Destroider qui check 0. Ah, et le Senna qui a joué genre 37 minutes a fait 2.8 rebounds. Non, mais pas de sens. Non, pas de sens. ça n'a jamais été un score. C'est ça qu'il faisait avant, quand même. Mais si tu scores pas, faut que tu ramasses des rebounds. Il faut avoir 0.17 rebounds. C'est Dodge, c'est Dodge qui pourrait aller rebond. Mais pourquoi il prend les rebonds Parce qu'il se fout. Qu'est-ce qu'il pour... qu faut au rebond il laisse... Mais c'est comme ça dont tu joues. Pour et où Mais il laisse John tu pour les rebonds, mon chien. Wow. Il veut le il veut pad. Oh, Waouh. Wow. Wow. Waouh. <laughs> Carrie Irving va aller uh, au Jazz. <rire> <rire> il ne <laughs> <pas aller> à... <laughs> veut pas aller à Utah. il va aller euh... dans un big city. Il veut il jazz. genre à LA. Big... Why big city C'est un big city big Mais man je ne veux pas aller, aller au Jazz. Ah, et moi, je le, moi, je veux à Portland avec da Dame. Non. T'as une base similaire avec Dallas, mon chien. Il m'a pas l'accès. Ouais, mais t'as des role-players à, à Portland. Mm. Non, ils ont no pas. Le... Il retourne à Cleveland. Yo, les gars, ils sont... même pas like. le play, mon cher plus ouais, là, j'avais espoir pour les Lurds. Puis je regarde maintenant, le gars, il, il joue plus. <laughs> il joue plus. Il y a longtemps qu'il a eu lui lui Ils ont donné. Ouais, ils ont donné. Euh... Euh... Puis ils avaient, des, ils avaient des chances. Ils ont dit, pocket. Non, mais à quel point, yo, tu voudrais tenter mes trash, mais. Yo. À quel point tu vas te forcer pour aller au player pour faire éliminer Non, mais je veux dire du à ton point tu, toi en tant que joueur tu dois donner responsabilité à la team de, de donner des gars pour, pour jouer pour jouer ouais. c'est un peu aussi la faute à lui il a fait toutes ses stats mais c'est un peu aussi c'est peu ta faute tu vous êtes pas bon là c'est toi l'idée de la team c'est vrai euh, tu rajoutes qu'à lui ça ne rien donné ça n'a pas marché avec euh... faut pas de jazz non, pas Jazz. Je sais pas sais pas encore. Agile. On va voir off-season comment ça se passe. Mais. Ah, pas bah, bon ça, il pourrait très bien aller avec les lequeuses là. Tu l'occupes Moi, moi j'ai dit les lequeuses. Moi, j'ai <laughs> dit les Tu j'ai que les lequeuses. Vous êtes normal, les gars. Tu penses que les lequeuses ne seraient pas chauds Non. Tu penses que les lequeuses ne prendraient pas carry. Non, impossible. Ah, t'es malade. c'est ça. Ils attendent comme. Let's go. Ils sont comme. Ils aussi ont fait un run. Peut-être même mon gang, Kari est déjà fâché, il va pas rester à Dallas. Yo, LeBron va LeBron tellement LeBron être content avec Kari. Ma, ma next paraitre, là, puis yo, t'as juste voir Kari uh, aux Lakers, t'as voir Big Three, Kari, LeBron, Eddie. Eddie. Vous êtes malade, les gars, vous êtes malade. T'as agi comme si t'aimerais pas. Je serais dedans, mais uh -huh. ça va pas arriver. Dior okay, hein, okay, okay, okay. off-season, tu vas voir c'est quoi les news. C'est quoi? C'est <laughs> la première team qui va être notre d'accueil. C'est les rumeurs vont commencer dans Merde. une semaine. Mais la probabilité sur 10 que tu penses que Kyrie va aller aux Lakers, moi je pense que c'est 7 sur 10. Yo, Yo. 8 bro. Yo. Yes. 8. 4 sur 8, 10. 3 sur 10. T'es malade ça, malade. que Kyrie, c'est un gars qui a un problème. Il y a un beef contre LeBron. Non, c'est plus euh, mal. Il voulait qu'on tue là-bas. Ouais, bon. il, voulait, il voulait y aller. C'était juste de la bullshit, c'est du ah, PR. Ça se peut, ça se peut. Mais en tout cas, moi, je te dis... Bon, 10 sur 10, okay. les Lakers vont être in the running. Ok. <laughs> ça c'est cash. Ça, je le vois dans les news. Okay. Mais il va Je te donne 80% de chance qu'à c'est probablement sa top team qui veut aller. Ouais, il se retrouve aux Pelicans ou aux Jazz. Je pense pas qu'il y aura aux Pelicans, Il y a trop Et de... Je sais même pas pourquoi il ira à Utah, anyways. Il, il need a team qui n'a pas le boué, même si qui score pas 25 points. Ah, parce qu'il y a points. personne qui va écouter ces games-là. Exactement. Il a besoin de ça, bro. Il a besoin de ça. Mignon c'est blessé. Come on, man. Non, parce qu'il veut être avec des, des comme d'autres stars. Mm -hmm. Je pense même pas qu'Ari va se dire Ok, je vais prendre une team, puis mm -hmm. c'est juste moi, genre. Il va, il va, il va, il va, il va s'affilier à quelqu'un quand même. So. Okay. Utah, il n'y a qu'à Utah. Il n'y a personne. Il ne va pas à Utah. Uh, Mark Mar Mar Je pense pas qu'il ne considère, il, il considère pas Markkinen comme une star comme ça. Il fait 27 points. Il, mais il, il, il dit Tu es, es dans une team qui n'a pas de star, ou tu fais des garbage stats. Ça il il des des dit. garbage stats. Mais, euh, ben, quand il quand n'y a, a aucun vraiment star dans la team, tu es obligé de faire des stats. Il ouais. so, faut quelqu'un qui domine. So. Ok, next subject va faire la real quick parce que là c'est bientôt les play-in. Il va faire les play-in dans l'Ouest. J'ai mis plein d'équipes. J'ai mis Lakers, Pelicans, Timberwolves, ah, Clippers. Je sais mais je dans ouais, ouais, la Liste déjà. Ouais. Clippers, Thunder, Mavericks, sun Warriors. C'est qui... tous ces gens-là dans l'Ouest qui peuvent faire les play-in. Attends ta question c'est qui qui fait les play-in ou ouais. qui, qui va des play-in faire les playoffs. Des play-in faire les playoffs. my bad. Ah ok oh, ok, okay. Euh, je te dirais les, les Warriors les Warriors ben, oui. Les Warriors sont 6e présentement. Sont, sont les, wa les, les Warriors, je pense qu'ils évitent le play-in. Pour de rien. Parce que si, ouais, si eux, ils, ils tombent dans le play-in, je sais qu'ils peuvent tomber. Ils, sont <laughs> ils sont les, les Warriors. Si les Warriors finissent dans le play-in, il y a des choses qu'il ne faut pas les play offs tout court. Nuggets, ils se récupèrent les Nuggets. Si ils si, 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 jouent Joker, si met mettent Joker, Warriors est out. Wow, 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 Là, on parle du play-in non, pas... non, non, non. Ils parlent de, de les games qui restent. dans les games. Des qui, reste. okay, 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 okay. qui restent. Parce que là, je te dis que, il, reste, il reste 4 games pour eux autres. Nuggets, Thunder, Kings, Trailblazers. Trailblazers, c'est un guarantee win. Il y a trois games. Ok, mais là, les Nuggets sont garantis aussi. So, ça se peut qu'ils benchent des joueurs. de bouddhore, c'est qui qui est. Je pense que c'est Pelican qui est genre 8e, 9 euh, uh, Timberwolves, puis les Thunder qui sont 9e et dixième. C'est qui 8e devant? Les Laker's. Laker's. Ils sont une. Une game de moins qu'ils ont toutes euh, la même. Euh... Ok, ouais, c'est ouais, Let's ça. go, Liao! Moi, je pense que la team qui est la plus euh, dans l'Ouest, là. Mm. Euh, la team. Je pense que Pelican. Pelican, c'est probablement la team que je trouve que live sont probablement la plus dangereuse dans les teams qui sont mm. dans le play-in mais qui pourraient mm. tomber direct dans le playoff off Ok. Mais Warriors, puis Clippers, je pense pas qu'ils vont laisser ça passer. Euh... Je pense, qu euh, pense, pense que ça va rester de ça même. Je pense que ça va rester de même. Ça va rester comme ça. Ouais, comme c'est là en ce moment. -là. Ça va bouger entre les queues de le Timberwolves, OKC, okay, si, Pelican pour le play-in. Mais je pense que Clippers puis Warriors vont, vont s'arranger pour être capables de rester où dans ils sont. Genre. Ok, parfait. Dans l'Est, c'est assez simple. C'est ouais. qui vont passer. Mais si je pourrais dire qui va faire les play-offs après les play-in, ah, il ouais, y, y a définitivement les les Je pense que la Ligue veut voir les les dans les play-offs. Sur les les ils vont battre n'importe qui. Ils vont mettre Scott Foster comme ref. Pas foot. Pas qu'un Ils vont ils vont gagner le futur ballon par 40 futurs puis ils vont ah. gagner la game. donc so, les Lakers sont, sont in destinés. pour Ils sont in in ils ok. Sont parfait, in. Parfait. In, okay? Il y a juste Eddie se blesse. C'est la seule chose. Seule chose injuries. Ouais, mais si les qui... gars sont sous le court ils sont in ok. Donc okay. so, les Lakers pour moi pour les playoffs. Puis l'autre team ça va être entre Minnesota puis euh, Pelicans. Okay. Puis je pense, vu que je ne lance pas le, le Gobert Experiment. Pelican. Pelican, Pelican les, que, est les deux qui font les playoffs. Puis, ok, si c'est dead. Ok si ne okay, si, veut pas vraiment faire les playoffs, je trouve. Ils, ils, sont, juste, ils sont juste contents. Ils savent qu'ils ont une team qui aura peut-être une team qui tank. Mais ils sont rendus en play-in, faire un peu de cop Mais ils n'ont jamais été vraiment comme set sur sont aller au playoffs. Les gars restent shy pour de, des raisons. En... Comme il y a des games, ils restent chaque tu sais que tu dois faire un push pour les banes. C'est très, très bizarre Eux, ils veulent juste rendre play-in, faire une game, faire un mm -hmm. peu plus de cob puis après ciao, bye. Tiens. Moi aussi, je vois Pelicans puis euh, Lakers faire les playoffs. Tiens. Moi, euh, moi aussi. Les gars, je sais pas s'ils si pensent que Zion va revenir durant les play dans les playoffs, s'ils font les playoffs, mais... Fucking Zion. Il joue pareil, il joue super bien même sans Zion. Non, so... Les gars jouent bien là, sans Zion, ouais. Mais, mais l'année passée aussi, on avait eu oui. hype, Brandon Ingram, là c'était ben comme oui. « Yo, les gars, ils sont failli ben, éliminés Ils sont rendus en 6 contre les Suns. Euh, mm -hmm. Je suis venu à Light, c'est lui, tu te souviens? C'est lui, le latino. Alvadaro. Alvarado, ouais. Puis c'était un dog. Puis dans l'Est, tu m'as dit... Euh... Miami, Heat, Ox, Raptors, Bulls. Là, j'ai mis Bulls, mais Bulls, je me dis que c'est dead, là. Non, oh, dans l'Est, c'est dead, bro. C'est... The Nets les... puis Knicks restent où ils sont. Les Heat vont le, les playoffs. Les Heat vont les playoffs. Moi je mets les Raptors. Loki. Raptors key, over Loki, Lowkey je mets les Raptors mon gars. Yo, en was... fait ça dépend si, 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 si les Heat jouent contre les Raptors. Je peux pas mettre les Raptors. Yo, bon, moi, faudrait être dernier. Je vais prendre les teams qui jouent les mieux le mieux dernièrement. Heat Raptors. Je vais prendre les Heat Bulls. Heat ouais, Bulls. Bulls va, 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 va smack tout le monde en play-in. En play-in. C'est voilà. one, one game. Un game, un game. Bourse. Bulls va devoir gagner deux games, mais je pense... T'as de raison. De ce que j'ai vu des games dernièrement, Toronto, comme aucune consistency, je pleure sur trash, je ne comprends pas bien. ETL, depuis... oui. Deuxième poteau. Non, Cross. Non, non, c'est Ah, ok, c'est aussi après ton temps. Mais tu regardes ETL depuis, je pense, le mois de février... Comment Tu débites comme ça. Mm -hmm. euh, je pense que c'était bon, depuis la Saint-Valentin environ yeah. les gars alternent les win-loss 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 -loss, win win win-loss 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 comme là ils ont perdu mm -hmm. hier prochaine game ils devraient gagner mm -hmm. la game après quand ils ont fini de gagner ils perdent so, tu peux pas me dire une team comme ça va aller en, en playoff so, je m'attends rien d'Atlanta Puis je m'attends rien de Toad de to the Raptors so. moi vu que je regarde The North I will believe non, je ne believe jamais de North Kind of away. Uh, kind of away. <laughs> moi, je pense qu'ils vont, vont réussir à rentrer dans les playoffs, mais ils vont se réamener first round. Puis, Bentley, c'est quand même mon parser next year. Uh, donc, uh, ouais, Heat et Raptors pour moi. Moi, j'ai dit Heat, Raptors. Ok. Alright. Je pense que c'était tout pour la NBA. Euh, soccer, un petit recap de qu ce qui se passe dans les news, Spenty. Il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a eu euh, pas des grosses games cette fin de semaine, à part elle qu'on est en train d'écouter. Mm -hmm. Il euh, euh, yeah, est là contre napoli guys. Moi, Liverpool n'est plus rendu. Puis, euh, <laughs> hey, Liverpool a pris une, un smack contre Man City, 4 à 1. Ah oh, ouais? Ils Les gars de Ils ball les gars non. Mm, non, Liverpool avait smack Man United, 7 à 1. Ah oh, c'est ça, my bad. My bad le Man City, les a osma 4-1. Madness, finale. Yukon contre euh, mm -hmm. San Diego State. Euh, il va y avoir. Quand? Je pense que c'est lundi. De lundi demain. Lundi demain je okay. Il va avoir la Champions League. Mais là, on va avoir le temps de passer la semaine au complet. On va en parler au prochain podcast. Ça va être euh, la, le début de la Champions League, le 11 avril ou le 12 avril. OK. Et puis, euh, je voulais savoir ce que vous en pensez de la Kathleen euh, Clark, la NCA, la, la femme. Au oh, stud Boosté, hein ça, pas vu. Back to back c uh, 40 point quality. games. Elle joue dans oh, comment comment. Tu sais que, que ils ont éliminé euh, South ouais, euh, Carolina? Ouais, ouais ouais ouais. Yo boosté là, j'ai oublié c'est quoi le nom de la team là. Ayo. Yeah, yeah yeah ouais. yeah. Les bonjour quoi, LSU une autre stade aussi. Elle est c'est elle l'autre stud. LSU. LSU. ouais, LSU. ouais mm -hmm. exactement. C'est une grosse game. Pour vrai pour vrai c'est pas mal. Tu vois c'est aujourd'hui. Aujourd'hui <laughs> aujourd le match. Aujourd'hui. Tout c'est aujourd'hui. Ouais, c'est soit aujourd'hui ou demain mais parce que les gars jouent demain je pense eux ça devrait être aujourd'hui aujourd'hui oui oh, t'as raison ouais, my uh, bad guys ouais. oui c'est euh... ah, c'est déjà commencé c'est 22-27 qu'ils sont en train de moquer ça yeah. 22, on va aller 27. les écouter tantôt ouais euh, puis ouais Catherine college à 14 points puis c'est Angel Reese qui a 7 points c'est l'autre stud c'est deux studs là mais toi qu'est-ce qui est top quand t'as éliminé l'équipe qui était undefeated ouais Ouais. Après ça, ça, ta genre un let down, bro. So, mm. T'es susceptible à prendre contre n'importe quelle autre équipe. C'est vrai, parce que tu dis, on a battu les Tu T'as battu les bests c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mm. So, on va voir. En ce moment, ils perdent là, ouais. mais. c'est yeah. pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Alright, guys, that's it for today. It was small, quick. Uh, thank you for watching. Thank you for. for, for Toi, j'ai une question d'ailleurs pour faire un clip. Il faut Ok, ça commence quand? Euh, ça devrait commencer soit la semaine après que les NBA Playoffs. Eux, ils, sont, ils sont genre une semaine late. On va dire ça, là, deux secondes. Le NBA Playoffs commence après, là, OK. Euh, habituellement, oui, mais on dirait qu'ils ont, euh, ont commencé late. Les gars ont eu beaucoup de vacances, OK. Euh, ça, ça, ça il, reste, il reste 6 games encore. 6 ah ouais? à 5 games pour euh, hmm. toutes les teams. Hmm. Sois, il va rester encore 2 semaines. Sois dans 2 semaines, là, hockey commence. Okay. Euh, là, j'ai goût de okay, c'est pour ça. Et là, là, on va parler Est-ce qu'ils jouent avec Canadiens? Bon, ce sont deux derniers... Euh... <laughs> C'est parce que tu le regardes de conférence. Ok, excuse moi excuse-moi, c'est Avant-dernier dans l'Est, puis ils sont. Bon. Euh... J'ai eu peur. Dit... Oh, ils sont 28e dans l'Est. on remonte de McDavid Train pour les playoffs cette année. <laughs> ben, faut être, euh, faut être euh, dans les 5 pires. Let's go Salamanca. Zéro. Est-ce que c'est un statement? Ben. Est-ce qu'ils jouent contre le Champions League? Non, non, ben oui. Oui, ils jouent contre le Champions League. Shit. Mais. Qu'est-ce qui qu est -ce qui arrivé cette game-là? C'est que wow. euh, Napoli va sembler de ça. Pio... Pio... Pioli est revenu à sa formation de base au 4-2-3-1. Mm -hmm. Parce qu'il y avait trop de blessures. Puis il ne pouvait pas jouer le 4-2-3. Puis là, il est revenu au 4-2-3. 1 Puis là, il est en train de les smack. qui bon, est là. en top? Euh, Giroux. Giroud. Giroud, Léao, le... Diaz. Puis à droite, je m'en Ok. Mais wow. sont en tout cas. Mais ils de... sont en train de leur chicken le son. C'est un bon aperçu. Ça, pour... c'est un, un preview de la Champions League. Ouf. Mais. Ben, une... Il aurait dû garder ça pour le championnat, League, mon cher. Ben, dû... euh, <laughs> c'est ça, là. Ils, 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 ils ont vu, ils ont vu, ils ont vu cette formation-là toute l'année passée. C'est pas comme si c'est nouveau. Ça, clairement, ils l'ont pas vu. 4-0 parce... l'eau! <laughs> Mais... Mon cher. C'est dans la Serie A, Napoli sont 21 points de lead, ah, ouais. ça n'a aucune importance, ce game-là. Non, moi je ouais. pense c'est pour jouer dans leur tête. Non, non, non. Le... Qu'est-ce qui... Qu qui va arriver? C'est que Napoli va être forché. Ouais, ils, ils vont les SMAC. Ils vont les smack. première ouais, game de la non, Champions ouais, League. Ouais, il ne faut pas oublier ça. C'est pour ouais. ils... ça que je dis qu'ils ont dû garder ça pour la, la game Champions la la pas League. Pas. Mais bon. Mais ouais. Milan se bat pour être dans les quatre premiers, pour être dans la Champions League l'année prochaine. Ah! Oh Là que j'ai pensé, vu qu'on parle de la Champions League, euh, les nouveaux, euh, les nouveaux euh, quotas de la UEFA sont sortis pour toutes les ligues. OK. Mm. C'est qu'est-ce qui place le nombre de, de teams de chaque ligue dans la That's Champions League? Prem, Bundes, Bundesliga, la Ligue allemande, mm -hmm. euh, Italie. Euh, après, je ne me rappelle plus si c'était France ou Belgique. Mais après ça, c'était. Les trois, les trois premières teams ont quatre teams euh, dans la Champions League. C'est Prem, Bundesliga Italie. Ah. Oh, puis d'ailleurs, pour la NBA, l'affaire de la règle, ils ont rajouté une règle. Il ben, faut que les joueurs jouent plus que 65 games 65. pour avoir. Euh, Pouvoir gagner un trophée MVP, Defensive Player of the Year. Puis ils vont rajouter, ouais. in, in season, il y aura genre un mini tournoi, genre durant la saison de la NBA. Je ne sais pas que ça te donnait de gagner le tournoi, mais euh, à la fin de la saison, ça va leur ajouter une game ben, aux gars qui, qui, vont fi, qui gagnent le tournoi, parce que ça va faire 83 games. Mais les gars auront moins de games de saison à jouer, mais les games de tournoi vont still compter pour la saison. Je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais. On va devoir aller un, voir les euh, détails pour ça. Là. Un mais mini tournoi inside. Un mini tournoi ouais, durant. I like durant that. Saison. I like that. Comment ils vont intégrer ça, je ne sais pas. Mais I I like want that. some bonus. Mm -hmm. I want some. Oh, I want something depth. Like, one, one, mais, one win, one kill. Je, je pense que le mini tournoi, c'est pour aussi. Si tu as des games qui comptent pour un tournoi qui amène à quelque chose, peut-être tu as moins reste des joueurs par rapport à la tête comme, Bayou. je dois jouer ces games là mais en même temps, tu sais, jamais avec les teams, ils vont trouver une autre façon de rester les joueurs. Bah, c'est sûr. Okay. All right. All right, guys. Thank you for, for listening. Uh, je pense que notre uh, le chien. <laughs> le chien, <laughs> il est comme il est. C'est le temps. C'est le temps. Call it a day. Thanks for watching, listening. If you follow thank you for following. Subscribe, like, share. Et you on se revoit la semaine Ciao. <laughs>